sortir. Vous avez des infos à me donner sur cette île? J'ai entendu deux trappeurs dire que cette scierie serait un excellent endroit où bâtir un camp. Vous avez des infos à me donner sur cette île? Il y a une ancienne base militaire près du centre de l'île. C'est là que vivent les enfants d'Atome. Vous avez des infos à me donner sur cette île? Si vous devez vous rendre au grand hôtel de Far Harbor, surveillez vos arrières. Les super mutants de là-bas. J'ai vu ça, ils m'ont tiré dessus à vue portant. Vous avez des infos à me donner sur cette île? Il y a un groupe d'humains qui vivent au sommet de la montagne. J'ai entendu quelqu'un les appeler les sympathiques. Bizarre. Vous avez des infos à me donner sur cette île? Il y a un phare à l'extrémité sud de l'île. Vous avez des infos à me donner sur cette île? J'ai entendu deux trappeurs dire que cette scierie. Ça vous intéresse de faire affaire? Peut-être. Alors, mon inventaire lézard. Je n'utilise jamais de grenades car ça ne sert à rien. Alors. J'ai deux. Ah voilà, c'est ça que je voulais vendre. Hop là, voilà. Je garde. Ok, je dois acheter des munitions. Bon, maintenant on se casse. Oh putain. L'avion il est au bord du gouffre, génial. Bien derrière la cascade. Dans tous les jeux d'exploration, elle faut juste envers une cascade, il y a des bons trucs. La plupart du temps, hein, je dis bien. Oh, un vieux campement. Ah, on peut dormir. 10h du soir. On va se mettre à 12h pour être à 10h du matin réveillé. Et voilà. Putain, j'ai toujours aussi dégueu dans le jeu. Truc de malade. Alors, putain, je sais pas où je vais, c'est chiant ça. Enfin, si, je suis le marqueur, mais s'il n'y avait pas le marqueur, putain, mais je suis dans une merde pas possible. Tiens, on a retrouvé la route.
Mais où le cinéma? Voilà le cinéma. On va aller à l'usine, on va voir s'il n'y a pas une quête à choper au cinéma. Ça y est. Ça a l'air bien. J'aurais aimé voir. Ah, y a pas un bon paquet de boules aussi au cinéma. Et une projection des deux côtés. Je vais voir si je peux entrer dans celle-là. Je sais pas où j'ai le plus mal, au dos ou au pied. On peut mettre une colonie ici. Non, je suis pas sûr qu'on peut mettre une colonie. On va bien voir. Il y a sûrement un terminal quelque part. Allez, nazi zombie détecté. Et voilà, tranquille, tranquille. Pas monter en haut. J'irai quand on va rebrousser chemin. Allez ta gueule. On va prendre ici. Là-bas c'est fermé. On va monter. Il y a même des parasols là-haut, lol. C'est quoi? Allez, sa mère. On fait un tour au deuxième et on se casse.
Je me demande à quoi ça a servi qui est, on va dire, la signal radio ici. S'il n'y a pas de quête. Parce que la plupart du temps, les signal radio, ça vous mène à des mecs qui vous filent des quêtes, etc. Ah, ça vaut de la truc. Ça c'est utile, les vidéos là. Oui, parce que, pour ceux qui savent pas, enfin, moi, je l'ai découvert. J'y pensais pas trop. Mais en gros, il y a des objets, vous voyez, ils sont, on va dire, un bout de plastique, du scotch, etc. Ok, d'accord. Mais il y a des versions, on va dire, plus, un peu plus cool. Où, en fait, ce que vous ramassez, ça vaut plusieurs objets de plusieurs catégories. Donc, le poney que je viens de ramasser, le poney mécanique, le Udada, ça file, et ben, plusieurs objets de bonne qualité. Pour des meilleurs crafts, etc. Voilà. À 30 balles, je vais pas faire mon feu. Putain, en plus elle est bien cette arme. Je sais pas c'est quoi sa particularité. Elle est toute bizarre. On va faire un tour à l'usine maintenant. Pour aller flinguer le leg ou au manche. Putain, il y a du pack là-bas. Allez, on va nettoyer tout ça. Pas beaucoup de balles. En tout cas, peut-être lui, il en a des balles. Il faut des munitions. Il me faut des munitions. Putain, mais non, moi j'arrête d'acheter chez les marchands, parce que chez les marchands c'est trop facile, on peut en acheter la masse quand on a de la thune comme moi par exemple. Non, c'est plus facile de galérer à en trouver, je trouve. Ça pimente le jeu. Deux munitions, je veux pas aller bien loin. Non, c'est pas grave. C'est quoi, j'ai la flemme, je prends pas de génie. Je prends pas le monde de charge parce qu'il n'y a pas d'interrupteur. De toute façon, faut rentrer dedans, hein, faut rentrer dans l'usine. On va faire le tour en entier avant. Bien sûr, il n'y a plus de balles. Non, je ne veux pas aller là. Il faut qu'un dégât. Ok, d'accord. Pourquoi il crève pas? Je veux. Pourquoi il est pas mort tout de suite, ce bâtard. Ok, c'est là qu'il va falloir descendre. Ça va, ça a l'air d'être pas mal cette arme. J'ai chopé dans l'automatron. Des balles, il me faut des balles. Peut-être aller ta gueule toi. Génial. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien apprendre.
Ah, tu sais pas crocheter le vieux? Ok, jeune, c'est souvent des caisses de avec des medikits dedans, si je me rappelle bien. On trouve vraiment des munitions. Dans la cantine, il y a quelque chose ou pas? Pas l'air d'avoir grand chose dans la cantine. Hop là. C'est pas un banc qui va m'arrêter. Ce bâtard il est encore en vie. Heureusement que j'ai défoncé. Attends. C'est bon, on a nettoyé tout l'extérieur de l'usine. On va pouvoir passer à l'intérieur. Alors, rôdeur. Le rôdeur, c'est quoi? C'est les grosses créatures que j'ai vues dans les bandes annonces? Ou c'est un tout autre truc? Ce qu'on va voir. Joli. Et voilà. C'est bon. Attends que les autres ils arrivent. Ils veulent bien arriver un jour. Allez. Oh putain. On a une jolie munition là-bas. Oh, il fait très mal. Et il te contamine en plus quand il te frappe. Ah merde, non, non, c'était les outils, ça. Le gros monstre, il est pas là. Moi, j'ai pu me tromper. Et là, ça, c'est la... Ça, c'est la porte qu'on a vue où il y avait une rampe. Maintenant, on va aller filer, donner une raclée au gros monstre. On va voir si j'ai des munitions, du coup, dans le... Dans le pistolet bizarre, là. Une traite bizarre. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà. Pardon? Hé, attendez! Ça fait des semaines que je surveille ces ghouls, que j'attends une ouverture. Et vous, vous débarquez, vous foncez dans le tas, et vous les massacrez toutes! Est-ce que vous savez ce que vous avez récupéré? Un coffret d'outils pêle-mêle. Qu'est-ce qu'ils ont de si génial, ces outils? Les pompes pêle-mêle ont plus de coupe qu'un écorcheur sous psycho. Avant de partir, ils appartenaient à Polly. Il en a toujours pris grand soin.
C'est impossible de trouver de meilleurs outils sur cette île. Purement impossible. Je me rappelle des pubs pour les outils Pelmen. Ils étaient pas donnés, mais c'était du très haut de gamme. C'est quoi une pub? Bref, on s'en fiche. C'est la marinière qui vous envoie, n'est-ce pas? Maudit soit Mitch, lui et sa grande gueule. Je sais pas combien elle vous propose, mais c'est une broutille. N'importe quel bâtisseur compétent donnerait un bras pour ses outils. Je vous offre 2000 capsules, là, maintenant, tout de suite. Marché conclu? Pourquoi vous voulez tellement ces outils? J'ai mes propres projets en tête. Et vu le prix... Non, merci. Je ne vais pas rester là éternellement. Si vous refusez... Eh? Mon offre tient toujours, mais ça va pas durer éternellement. Du non, coup, merci. Je vais le regretter, ferme ta gueule. Si vous refusez... Regretter de quoi, sale con? Je vais te buter, tu veux rien faire. Quel enculé, ce mec. Alors, trouve un coke. Le truc des brumes, il est là-bas. Ah, il y a un océanarium là-bas. Je savais pas. Je suis sûr c'est un truc avec des aquariums ou quelque chose dans le genre. Ça, cette ville est vraiment... Enfin, cette île, c'est une île très portuaire. Hein. Il y a des ports partout et voilà. En tout cas, je pensais pas qu'il y aurait des routes. Moi, je pensais que c'était une île un peu plus sauvage à la base. Mais bon. Je suis pas déplu du paysage. Vraiment là, l'ambiance elle est à fond quoi, mais putain le brouillard. J'en ai marre sérieux. Il y en a trop du brouillard. Ah putain, je l'avais prévenu. Ah ouais, c'était un petit musée sur les océans. Il en reste plus grand chose. Hein. Ça vaut des trucs ça. Violente cette arme. Carrément déchiré cet abruti. Et là on a le pont, on a un pont qui relie où exactement? À une île. Alors c'est un truc sous ce pont d'ailleurs. Ça doit être le reste des terres. Mais bon, on peut pas y aller. La map s'arrête là sinon. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ouais. J'ai fait de passer ici. Sur le pont, il y a un truc ou pas? Toujours regarder. Oh putain! Ouf! Alors lui. Ouh, il est vilain. Là, il s'est carrément servi de ce camion comme. Comme refuge. J'avais, quand je suis allé regarder les images pour les miniatures, j'avais vu ce monstre qui s'était réfugié dans une moitié de voiture pour enfin, qui avait mis domicile dans une moitié de voiture. Je fais putain, c'est moche ces trucs là. Je vais voir s'il n'y a pas quelques munitions encore au musée. Musée océanographique, peut-être à gratter quelques balles encore. Oh putain, on a carrément déplacé une carcasse de baleine dedans, c'est fou. On s'en fout. Moi je veux un coffre. Y'a rien. Parce que j'ai une quête qui va me faire revenir ici. Voilà, on va piner l'autre monstre là. Putain, alors ces trucs là. On va les éviter. Pas qu'ils sont difficiles à tuer, c'est juste qu'en fait, la plupart du temps sont toujours dans l'eau.
Et je crois que dans l'eau, c'est assez compliqué de les toucher, même pour moi qui suis fou, level maximum. Oh putain, il y a une écorcheur ici, qu'est-ce qui branle là? Non, je les fais easy les écorcheurs. Donc là, voilà. La 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 la. Oh, une ferme ici. Ah, c'est bien ce que je pensais, c'est ces gros monstres. Avant d'aller, on va looter la ferme. Des trucs intéressants dedans. Quand ta maison s'est fait envahir par la boue, t'as trop la mort. Hop là. C'est pour mettre du loot dans ces filets là. Putain, comment ça je peux pas passer? Bref. Ah ouais, on peut mettre une colonie ici, super. Alors, fils de pute. Est-ce qu'il est moche à ce point, ce connard? Il me rappelle les créatures dans Metro The Last Light. Ah ouais, quand même. Bon, il a l'air un peu gogol. Explosé au fusil laser. Ah ouais, résistant quand même, résistant au laser. Voyons en sniper. Ah non, par contre les balles il craint. Quickscope, allez, pourquoi tu fuis salope? Faut pas fuir mon pote, faut pas fuir. Putain, il allait carrément s'échouer ultra loin. La tapette. Allez, qui me suce la bite? J'ai libéré la plage. Je vais mettre une colonie ici. Non, y'a rien. Dans le reste mort au requin zombie. Non. Tourner un bâtard qui s'est... qui a spawn, je crois. Ah ouais, le brouillard s'est pas dissipé, donc je parie qu'il va falloir que je termine le jeu si je veux, bien sûr. Voilà quoi. Bon, allez. On va retourner à la marinière. Allez, c'est parti. Oh bah les rôdeurs, ils ont pas l'air si terribles que ça. Par contre, j'aurais pas cru qu'il y avait des écorcheurs et des super mutants sur cette île. Moi, je pensais qu'il allait affronter que des créatures marines. C'est comme pour le Bernard l'ermite géant là dans le camion. Je contourne le camion pour voir s'il y a pas des trucs dedans. Je vois un gros truc dedans. Je fais, c'est quoi ça? Là, il commence à sortir à grouiller, à faire, j'ai niqué ta race, tison. T'as pas aimé mon dernier CD? Je crois vraiment faudrait que j'achète des munitions par contre, hein, parce que j'ai dit qu'il fallait pas en acheter, mais j'ai la flemme en fait de fouiller tous les canards, etc. Aussi rendre mon fusil d'assaut et l'éclat qu'il avait. Bien sûr, faut que j'arrive la nuit, génial. Alors, est-ce que vous avez trouvé la tannerie? Vous avez mes outils? Voilà vos outils.
J'ai de la chance de vous croiser. Voici votre récompense. Vous l'avez bien mérité. Et maintenant, je vais bosser sur la coque.